La luminothérapie a vraisemblablement un bel avenir chez les personnes âgées. Les études qui ont été menées au cours des 10 à 12 dernières années montrent que chez les personnes âgées qui souffrent de troubles du sommeil, mais là on parle de personnes âgées qui souffrent de troubles du sommeil, on observe lorsqu'on augmente l'intensité lumineuse pendant la journée par rapport à un groupe chez qui on n'aurait pas évidemment augmenté l'intensité lumineuse et qui serait exposé à des niveaux de lumière normaux, c'est-à-dire assez modestes en moyenne, eh bien on observe une amélioration de la qualité du sommeil. Les études les plus importantes dans le domaine ont été menées chez des sujets âgés qui souffrent de troubles cognitifs qui sont pour certains institutionnalisés. Et ce qu'on a pu observer chez ces individus là, eh bien, c'est que dès lors qu'on augmente l'intensité lumineuse et qu'on passe l'intensité lumineuse d'environ 2 à 300 lux, ce qui est généralement disponible dans ces institutions, qui n'est pas toujours le niveau auquel ils sont individuellement exposés, ils peuvent s'exposer à moins de lumière, ce qui détourne la tête de la source de lumière pour que l'intensité lumineuse descende à 100 lux ou à même 50 lux. Eh bien, si on passe cette intensité lumineuse à 1000 ou 2000 lux, eh bien là, on va non seulement améliorer la qualité du sommeil, non seulement améliorer la qualité de la veille, c'est-à-dire on va réduire le nombre de siestes par exemple, mais on va aussi, dans certains cas, mais c'est une très grosse étude qui a été menée par un collègue hollandais qui a montré ça, Heus van Someren, on va pouvoir aussi réduire le déclin cognitif qui s'observe chez ces individus qui vont être amenés à avoir un déclin cognitif, que sont les patients par exemple atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc la photothérapie va avoir un intérêt et chez des patients qui souffrent d'un trouble, mais aussi chez des sujets sains, des sujets âgés qui ne souffrent pas de troubles cognitifs, mais qui éventuellement auront une difficulté de sommeil, qui vont souvent attribuer à un mauvais sommeil lié à l'âge, mais sur lequel on va pouvoir jouer en augmentant l'intensité lumineuse pendant la journée.